Je suis désolé, Ludovic. Anne Hidalgo ne se rend pas compte de la portée, et c'est-à-dire pour ça qu'elle a pris ce billet. Elle a pris ce billet d'avion pour aller à Tahiti, sans se dire, mais comment est-ce que les gens pourraient réagir? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Elle s'est dit, ah ben non, mais je vais leur dire que je vais voir le truc de surf. On sait tous que ce n'est pas la ville de Paris qui organise les Jeux Olympiques. Que le maire de Paris n'a absolument rien à aller vérifier. Pourquoi elle va pas vérifier les pistolets de 100 mètres et les chaussures des mecs qui vont courir? Enfin, on sait très bien que ce n'est pas le rôle du maire de Paris que d'aller vérifier les installations à Tahiti. La seule chose, c'est que cette dame, elle ne se rend pas compte. Elle s'est dit, ah ben oui, je vais aller à Tahiti, bon, on va leur dire ça, machin, truc, ils sont partis, ils sont tous très contents, parce qu'ils se rendent pas compte. C'est le mec que tu mets dans une Formule 1 et qui se dit qu'il va gagner la course, alors qu'on sait tous très bien qu'il n'a pas le talent, il n'a pas la fibre pour gagner. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.